Starving. Bienvenue, on se retrouve pour notre survie du week-end. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses. Ça a duré au moins, allez, une petite heure et demie, on va dire. Et du coup, ça serait une sorte d'épisode plus où on fait que plus ou moins farmer. C'est juste récupérer quelques trucs. Donc, faudrait que je fasse cuire celle-là. Donc, je vous montrerai ce que j'ai fait, vite fait. Ok. Ça. Ça, on garde ça. On pourra manger et boire si jamais on a besoin. Bien. Ok. Donc, je vous montrerai. Normalement, vous devrez voir... Ah, j'ai vraiment pas envie d'éditer la vidéo, mais je vais devoir le faire. Devrais voir des petits morceaux de vidéos de sur ce que j'ai fait. Donc je me suis baladé, j'ai récupéré beaucoup de lapins, j'ai récupéré beaucoup de lapins du coup, donc de peau, de viande, de boyaux et tout ça. J'ai récupéré aussi pas mal de champignons et tout ça. Donc du coup on est niveau 3 déjà en cuisine. Les aliments cuits rapportent 15% de calories plus. Aucune perte de calories quand vous forcez une conserve. Donc ça y est, on peut jeter notre couteau quand on ouvre les conserves. Et délai de cuisson moins 10%. Donc vraiment cool. J'ai rafistolé mes vêtements aussi. J'ai trouvé un pantalon et tout ça. Donc voilà. Mais c'était vraiment pas super excitant non plus. Hein. Honnêtement, ça valait pas le coup que ce soit un épisode. Donc voilà, on va un peu plus vite comme ça. Donc regardez ça sur nous, très bien, c'est pas très lourd. Alors je voudrais faire, alors déjà pour crafter des choses, on va peut-être pouvoir les crafter maintenant. Alors on va d'abord faire un boyau séché, est-ce que, faut regarder les couleurs en fait. Oh, il y en a que deux. Ok, il y en a que deux. C'est embêtant, ça. Alors, fais voir un peu. Craft vêtements. Ah oui, il nous faut la sacoche aussi. C'est vrai qu'il nous faut la sacoche. Alors, Shopka, c'est 3. On a combien de peaux? 1, 2, 3. Ok. Donc, on peut faire alors, on revient. C'est bon que ça reset à chaque fois quand on sort du menu. C'était comme ça avant? Alors, les peaux de... Ça, c'est 4 pour les moufles. Les moufles, c'est quoi? C'est 2 degrés. Chez Capka aussi, c'est 2. C'est pareil. À la limite, la Chapka est mieux. On peut aller crafter ça. Ouais. 3h05. Et vous voyez qu'avec l'hameçon, c'est 7h. Putain. Bah, c'est le double, hein, tout simplement. 3h, et là, c'est 5h. Ouais, j'aurais dû garder le nécessaire de couture de côté. Ah, c'est pas grave. On va aller récupérer... J'ai rien dit, on a nos hameçons sur nous. Très bien. On a donc 2 boyaux, il en faut... 2 ou 3. Ou 1. Il en faut 3. 2. Non, il en faut 1, pardon. Il faut 1 boyau et là 2 boyaux. Il faut 1 boyau, donc on peut en utiliser un pour faire du fil. On en a besoin... On a besoin. Ok. Et on a une tempête. C'est bien. Alors, je voudrais aller crafter. Ok. C'est pas extrêmement froid, donc c'est une bonne chose. Alors, je voudrais aller crafter, mais... Crafter, c'est chiant. Hein. Crafter, c'est très chiant. Un truc qu'on pourrait faire aussi, c'est crafter à l'extérieur. Vu qu'il fait pas froid. Pourquoi à l'extérieur? Parce qu'il y a toujours... la folie, là. Comment ça s'appelle? Quand on reste trop enfermé. Enfin, moi, je reste tout le temps enfermé chez moi. Je sors pas et je vois personne et je suis pas fou. Hein. Je suis étrange. Ok, mais je suis pas fou. Mais bon, dans le jeu, on a un problème.
Ok, super. Ok, ça marche. Très bien, j'ai rien dit. Eh ben voilà, du coup on va faire que crafter, c'est cool. Parce qu'en fait je voulais pas faire que crafter. Je voulais potentiellement crafter. Peut-être. Et après, je veux trouver... Vous savez, on avait trouvé une note. On avait trouvé une note. Moi, je veux directement aller à l'endroit où on peut crafter. En fait. Je veux aller à l'atelier. Je veux pas aller à l'église. Et après, donc voilà, on a trouvé une note qui nous donne... qui nous parle d'un endroit à fouiller. Et je sais pas où c'est. Je sais que c'est à côté d'une... d'une... une route. C'est où que la route elle est brisée là? C'est là. Okay. On peut se bouger un peu le train parce qu'en fait il va faire nuit. Et on est encore en pleine forme. Mince, j'ai pas passé la zone. Je crois que j'ai passé la zone. Milt. Ou pas. Oh non, je suis de retour à l'église. Non, bah j'ai été bête, il fallait continuer. Il fallait continuer. J'ai été bête. Il fallait tout simplement continuer. Donc oui, il faut... On va se réchauffer doucement. Il faut qu'on... Donc je voudrais crafter déjà la chapka, faire du fil, et après je vais vous montrer la carte. Crafter de toute façon on va pas pouvoir, parce qu'il va faire... nuit. C'est ça là. Ça là. Je sais pas ce que c'est ça. Là, ça m'enlève. Nous on est à l'église, donc en fait donc là c'est où on va crafter. Donc c'est tout droit. Et ça, je crois que ça c'est la route principale. Donc... ouais. En théorie, on devrait pouvoir le trouver assez facilement. Ah tiens, là c'est marrant, c'est pas reset. Intéressant. Ah, mais c'est parce que... Non, ça reset pas. Mais ça en bas, ça le fait. Ça se remet à zéro sur AZ en fait. Ok, on y va. Je voudrais passer quelques heures à crafter quand même. Honnêtement, c'est limite pour montrer. C'est un peu gadget parce qu'on passe à côté. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais zapper tout ça après. Là, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un épisode sur ça, sur ce qu'on fait. Enfin, moi, j'avais dans l'optique... Je parle fort parce que ça fait que gueuler le vent. J'avais dans l'optique, en fait, de partir la découverte de ce lieu-là. Du coup, mais on a une tempête, donc bah, ça va être la merde. Donc du coup on craft. Moi je voulais pas passer mon temps à crafter en fait dans l'épisode. Par contre, je vais le faire hors épisode, le craft. Tout le reste, parce que je voudrais faire les moufles, je voudrais faire du fil, je voudrais donc la chapka. Je voudrais... Ouais, du fil, beaucoup de fil. Aussi, je voudrais commencer à me soigner.
c'est-à-dire augmenter mes HP au maximum, donc beaucoup manger pour éviter d'être affamé. C'est là ou pas? Oui, c'est là. Très bien. Beaucoup manger pour éviter d'être affamé. Comme ça, on peut partir et on ira donc... Tiens, c'est marrant. On ira donc au lac Mystère. On ira donc au lac Mystère. Et on partira par... là. Non. Si, c'est là. Non, le parc de Milton. Oui, c'est là. On descend la corde et tout ça. Et je crois qu'il y a deux cordes à descendre. Mais ça va, pour nous, c'est pas trop grave. C'est parce que on a... Alors, Chapka... ouais. Nous, on a le sac de couchage. Et je sais qu'il y a une grotte. Et on va en profiter pour... dormir dans la grotte et tout ça et se réchauffer. Allez, dis-moi que ça va finir. Et... ça a pas fini. Putain, je déteste ce jeu. C'est pas grave. C'est pas grave, il doit manquer. Il manque rien du tout. Par contre, est-ce que je peux faire des fils? Est-ce que je peux faire du câble? Ah non, je peux rien faire. C'est embêtant, ça. C'est embêtant. Est-ce que je peux... Est-ce qu'il fait froid? Ouais, d'accord. Non, on voit strictement rien. Il fait pas froid, mais on voit strictement rien. Il faudrait des visions nocturnes, quoi, pour voir quelque chose. Donc, on va dormir... Très bien. 7h. On va pas dormir les 7h, je crois. On n'est pas assez fatigué. Ok. Bon, c'est déjà un peu mieux. Okay, très bien. On n'a pas eu de chance, pas d'aurore boréale, rien. Je pense qu'on va se déplacer un peu la nuit, mais on va pas voir grand chose. Ah, quoi que. Non, si, ça va. Là, ça va. Il fait un peu froid par contre. Ok, ça va, on voit, tout le monde voit. Ça, c'est pas mal. C'est pas si mal. Du coup, on peut aller se balader un peu. Bon, le problème, c'est qu'on va pas aller trop loin non plus parce qu'il fait froid. Mais du coup, ça serait ligne droite. Et je sais pas, ça parle d'un casier, je crois. Je crois que ça parlait d'un casier. Casier 4, un truc comme ça. Mais c'est à côté de la route principale, donc bon. Ça doit pas être très dur. Mais ouais, on a beaucoup de lapins et tout ça. Je suis très content. Donc on va pouvoir faire les moufles et la chapka. Et après, je vais faire beaucoup de fils. Et est-ce que je vais récupérer les... Est-ce que je vais emmener les peaux de lapin? J'en sais rien. Ah non, il y a un loup. Oh. Oh, c'est chiant. Putain, le truc c'est que parce que maintenant il te lâche plus en fait, c'est un problème. Hein. Ah, maintenant c'est un petit problème, c'est qu'il te lâche plus du tout hein, quand il te suit. Vas-y, continue à aller par là, je t'en supplie. Putain, pourquoi j'ai parlé moi? Alors, est-ce que je peux... Ok. Il y a un cadavre.
Hop, 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 hop. Hop là. Ah! Je sais qu'il y a des voitures. Je sais qu'il y a des voitures. Donc, on peut le perdre comme ça. Donc, il y a toujours un cadavre ici. Bon, par contre, on est trop con pour tourner la tête. Ok, on est bon. Et on est toujours trop con pour tourner la tête. Donc ça, c'est un peu un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence à manger pour éviter de mourir de faim et j'essaye de d'augmenter ma vie au maximum? Ah, peut-être pas encore. C'est peut-être un peu trop tôt. Je sais qu'on a beaucoup de viande, par contre. Il y a le couteau aussi, il faut qu'on l'aiguise. Ça, on le fera. Ouais, j'attends juste qu'ils partent, en fait. Je me suis baissé juste avant de rentrer aussi. Donc, en théorie, on devrait être baissé quand on sort. Est-ce que je peux dessiner, là? Ah non, évidemment. Pas de visibilité. T'es sérieux? J'étais debout. Ah! Ok. Ça, c'est nouveau, ça. Normalement, quand on rentre accroupi quelque part ou qu'on sort accroupi, ça marche. Genre de la voiture, quand on rentre accroupi, on sort accroupi. Enfin, je crois bien. Ah, ok. On va faire attention à ça, du coup. Par contre, on va quand même manger. Parce que je veux pas trop perdre de la vie, en fait. Donc on va quand même manger ça. Ouh, veste de ski, ça tue. Yes. Ah, elle est gelée, merde. Ok. On peut pas la porter pour le moment. Pas la porter, il faut la dégeler. La geler, c'est... Avoir des choses gelées sur nous, c'est très mauvais. Plus le froid et tout ça, et le gel, ça augmente le poids. Et ça... Il y a des risques de gelure, je crois bien. Attends, on trouve rien dans les coffres, c'est ouf quand même. J'ai remarqué que les coffres, ils étaient... Ah, reste cool, Winnie. Oh là là. Ah, ça m'embête que ça soit gelé. C'est marrant, il est où le... Ah, il est là. Ah, obligé de geler. Ah, mais il n'y a pas l'icône en fait de geler. Il n'y a que l'icône de geler quand il est quand on l'équipe. Il est où? Merde. Il y a ma... Derrière moi, à gauche? Ouais. Pas rester très longtemps là non plus. Il fait froid. Ah, j'ai pas regardé les pare-brises. Ah non, enfin les pare-brises, les pare-soleils du camion.
Faudrait qu'on se réchauffe. Mais je vais être honnête, je sais pas comment. Il faudrait du bois. J'aurais dû partir avec, avec du bois en fait. J'avoue que j'étais peut-être un peu bête. J'avoue que j'ai été un peu bête. Cool. Ça c'est une nautique. Une fusée nautique, ça fait peur aux loups gris. Ça c'est bien ça. Strictement rien, ça fait plaisir. Ok. Alors, il nous faudrait un peu de bois. Un peu de bois. Ok. Je connais la zone, donc... Ok, très bien. Hop là. Et ouais. Ok. Et on a chaud. Très bien. Donc la grotte de Milton. Je sais plus où elle amène. Je crois que la grotte... Ça, je sais pas encore ce que c'est. En plus, c'est... Ah, ça, c'est peut-être le pont. C'est pas la route. Parce qu'il y a des traits comme ça. Ça, c'est le pont, ça. Donc ça veut dire que c'est en bas du pont. Donc nous on a fait ça et on est monté, on doit être là et je crois que la grotte elle revient ici en fait si on la franchit, un truc comme ça. Mais par contre je voudrais bien pouvoir faire du feu. Ah c'est con, j'ai même pas mon sac de couchage sur moi. Enfin on n'a pas besoin de dormir de toute façon. C'est pratique quand même. Ce qu'on peut faire c'est ça pour nous chauffer. On a 7 brindilles. On peut faire du feu ici. Yes. Non, attends. Elle est où la sortie? Elle est là. Parce que je voudrais pas faire du feu en plein milieu quand même. Donc après, pas vraiment le choix. Ok. Hop là. Cool. Non. On va voir si on peut trouver du charbon. Yes. Putain, il m'a fait peur ce con. Ok. Ouais, mais tu me fais un peu chier avec ton feu en plein milieu quand même. Alors, on va peut-être devoir jeter la torche. Oh mon dieu, je vais mettre trop de temps. Si jamais ça foire à la fin et que j'ai pas le temps de la rallumer, je vais m'énerver. Vas-y, vas-y, vas-y. Par contre, le feu qui est derrière nous, il est un peu en plein milieu du chemin, donc j'ai pas vraiment envie de faire ça. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà, alors un truc pour sécher les vêtements. Enfin, avant c'était comme ça. Avant c'était pas mal, c'est de les sortir comme ça et de voilà les dégeler comme ça en fait. Voilà. Donc on va voir. Donc ça. Ah maintenant on peut les forcer, c'est vrai. Donc je vais déposer mon couteau. Je vais faire ça. Non attends, comme ça. Cuir. Ah, oh, j'ai pas mes trucs. Si, j'ai mes trucs sur moi.
Oui, j'ai mes trucs sur moi, ça va. Forcer l'objet. Voilà, très bien. Quand, voilà. Ouvert de force. Mais on n'a rien perdu. Près dans 12 minutes. On reprend le couteau. Parce que normalement, si ça n'a pas été changé, le jeu va tout le temps utiliser vos outils par défaut, en fait. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème. Très bien. Est-ce qu'on va manger le truc directement? Pourquoi pas? C'est bête parce que... Ah, le sac de couchage, faut toujours le garder sur nous. Surtout que j'ai pas... je pèse pas très lourd. Donc ouais, on aurait pu garder le truc sur nous. Par contre, je pense que la chaleur, peu importe la chaleur en fait, peu importe les degrés, je crois que ça dégèle à la même vitesse. Pas complètement sûr sur ça. Les conserves, il faut les garder parce que ça peut être parce que c'est vrai que en fait on en a trop des conserves à un moment du jeu, on en a un peu trop, ça sert un peu à rien, mais au final ça sert parce que on peut en faire des bombes maintenant, donc c'est utile. Fait cuire parce qu'on veut augmenter le feu. Non, la cuisine, pardon. Collecte de carcasse, on n'est pas ce qu'au niveau 2, c'est bien. La cuisine est déjà au niveau 3. Honnêtement, le niveau entre le niveau 4 et 5, c'est ultra, ultra lent. Je pense que je risque d'essayer de le rusher, c'est-à-dire de le faire exprès, en fait. Genre, avoir plusieurs petits morceaux de viande... Et vous les coupez en 0,5 kg. Ça c'est bon. Ça, c'est bon. Ouais, vous les coupez en 0,5 kg. Et du coup vous les faites cuire. En gros quand vous taillez de la viande depuis une carcasse, vous coupez en petits morceaux. Bon, est-ce que ça vaut le coup là? Un peu. Bonus de chaleur 11, on passe à 12. Protection, on perd en protection quoi, c'est ouf. Protection c'est quoi? Protection c'est 3% et ça c'est 5%. Si on inverse, faut regarder ça aussi. Ouais, 23%. Il n'y a que la couche extérieure en fait qui protège. Et la couche extérieure c'est ces deux, c'est ces côtés là. Par contre il perd en humidité, 83%. 82. Ouais, non, ça va. Mais je pense quand même que ça va plus vite de le mettre à côté d'un feu. Donc oui, c'est vrai que il faut que je regarde. Ok, 7%, 7%. 0, 1. 0, 2. Je crois que là, il n'y a pas de différence, par contre. On va voir. On est à 23%. Ah, si. Ah, si, si, si. 25% maintenant. Si, si, même ça. Donc tout ce qui est sur le côté gauche, là, c'est l'extérieur, donc ça protège. Et les jambes, je crois que c'est l'inverse, c'est de côté droit. Mais ouais, protection à 25%. Non, qu'est-ce que je viens de dire? Non, ça n'a pas de sens, en fait. Là, c'est le côté droit, et là, c'est le côté gauche, du coup. Non, ça n'a aucun sens, en fait. Non, non, ils ont fait n'importe quoi, ils étaient complètement bourrés. Ils étaient complètement bourrés. Intéressant. Interland quoi. Ce serait bien que ça
les pourcentages descendent plus rapidement. Vous avez vu, l'humidité met beaucoup plus de temps que le gel. Mais ce serait bien que ça descende plus vite par rapport à la chaleur. Ce serait vraiment cool. Ouh, elle est belle cette torche. Mais après, du coup, on va faire ça. On va essayer de finir le craft. Si jamais on n'y arrive pas, c'est pas grave. Ce qu'on fera, nous, je passerai des jours à Milton. Je vais pas le montrer parce que ça sert strictement à rien de tourner en rond. On l'a déjà vu 100 fois. Et je me préparerai en fait pour partir. Tout simplement. Je me préparerai pour tout simplement partir de Milton en fait. Donc on fera comme ça. Donc du coup, ouais, donc si je dis pas de bêtises. 4, 25. Ah mais ça a changé de sens. 23. Non, c'est bien ça. Là c'est l'inverse. C'est fou ce truc. Et là, ça... Ah, mais non, mais c'est parce que c'est zéro. Non, non, c'est tout à gauche. Oui, c'est tout à gauche. Du coup, ouais, on veut protection. On veut plus de protection. De toute façon, les degrés... Ouais, les degrés, de toute façon, c'est les mêmes. Ils sont pas coupés. Par contre, sprinter, c'est compter aussi. Le protection contre l'humidité, on peut pas l'avoir. Protection contre le vent, on peut l'avoir par contre. Donc là, si je mets là, la protection du vent, elle va changer. Non, elle change pas. Peut-être parce que c'est plus ou moins la même chose. Peut-être. Ouais, je sais pas. Les vêtements sont bizarres. Allez, go. On va continuer à fouiller un peu la mine. Parce que j'ai pas vraiment envie de... Enfin, quoique si, on va être obligé de retourner vers l'ours en fait. On va être obligé de retourner vers l'ours. C'est quoi ça? C'est secret ou c'est par... Je crois que c'est par là pour sortir. On va te voir là-bas. Aussi, ça serait bien d'avoir le feu. Je crois que c'est niveau 3 pour éviter d'avoir du petit bois. D'utiliser du petit bois. Ça pourrait être bien. D'essayer de l'avoir vite aussi. Ça serait utile. Alors, on va voir où on est. Allez, prends! T'es con ou quoi? Ok, bouge pas. Est-ce que... T'es sérieux? Assez lourd. Mais où exactement? Ce perso, je me rappelle pas. Pas vraiment la grotte que je prends souvent en fait. Ah, on serait... Je sais où on est.
Ok, c'est par là, d'accord, ça marche. On va pas y aller parce que sinon on peut plus revenir. Je sais où on est. On est où il y a les lapins. On est où il y a les lapins. C'est vous voyez, il y a des massettes et tout ça. Il y avait des lapins. Du coup, on peut passer par là pour revenir rapidement. Pour rentrer rapidement, si on veut. On peut faire ça. Très bien. Je voudrais me réchauffer un truc. Est-ce que je peux le faire? Fais voir. Dis-moi que ça passe. Alors ça, c'est un peu embêtant parce qu'on peut pas interrompre en fait ce qu'on est en train de faire. Le feu, on peut rien faire. On peut pas l'annuler, rien. Ok, très bien. Allez. Très bien. Est-ce que... Ouais, non, cuir. Sept minutes, très bien. Donc on va retourner vers l'ours. On va retourner vers l'ours. On va essayer de trouver donc ce fameux truc là. C'est quoi? C'est quoi ce que vous dites exactement? Souvenir. Pourquoi on en a 3? Je me rappelle même plus qu'on a 3. Ah oui, 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 dans l'autre zone. Alors, j'ai mis un nouveau matos dans le boîtier numéro 4. Ça pourrait s'avérer utile, ok. Boîtier numéro 4, je sais pas ce que c'est. On verra. Ça se passe plutôt bien pour le moment. Faut pas se faire couper en 7 par l'ours et ça devrait aller. Prendre le charbon. Vous voyez, on essaye. Pourquoi il y a un loup là? Pourquoi je suis en train de faire un feu? Qu'est-ce qu'on fait? On fait cuire sa viande? Qu'est-ce qu'on fait? Ou on récupère la peau et les boyaux? Les boyaux, non, peut-être pas parce qu'on va puer la barbaque, mais peut-être qu'on peut récupérer la peau. Oh, yeah. That's a good one. Non, la viande. La viande, on va pas la manger. 30 minutes. Pourquoi pas. You could eat anything. Ok. Ça. Après, je peux faire des petits morceaux à la main, quoi. 15 minutes. Et après, je la jette. Mais ça me met du... Ça me fait monter de niveau, en fait. On peut même la faire cuire, en fait. Ah, putain, non, c'est 30 minutes. Ouais, non, c'est mort, c'est mort. C'est trop long. C'est trop long. Un peu pas la joie, mais donc on a la peau, on a la peau. Okay.
On est d'accord qu'on l'avait, on l'avait pas parce qu'on a, on a allumé un feu assez rapidement. Enfin, allumé une torche ou pas. Ah non, non, peut-être pas. Je sais plus. C'est bizarre. J'ai pas vu le loup apparemment. Alors on a toujours un thé qui est chaud pour le moment. Oh, en parlant de ça, apparemment il devrait avoir aussi un thermos. Des choses comme ça. Et apparemment c'est pas encore là. Honnêtement, je vais être honnête, si il y avait énormément à montrer avec ce DLC pour le moment. Avec cette partie de DLC. Ah oh, merde, il est déjà là. Attendez. Ouais. S'il y avait beaucoup à montrer. On va dire que je rusherai plus ou moins la nouvelle zone et tout ça. Mais je vais être franc, il y a trois fois rien dans ce DLC pour le moment. Dans cette première partie de DLC. Ouais, sa grotte, elle est là. Vous voyez les eaux? Il y a trois fois rien pour le moment. Oh, il dort! Mignon, hein? C'est comme les enfants. C'est mignon quand ça dort. Je crois qu'il me poursuivait, quoi. Non, t'es sans déconner, il faut une clé. Oh, c'est nul. Donc je crois que c'est ça, la boîte. Une clé, non. Non, attendez. Chaud. Voilà, comme ça. Hop, on est rechaud. Ah, il faut une clé. Comment je la trouve où, moi, la clé? On peut pas forcer le machin. Et notre personnage, il est trop con pour prendre la boîte avec lui. Hein? Hein, c'est mort. On peut pas prendre la boîte avec lui. Bon, on va rentrer. Je sais pas où ça mène là, on peut y aller ou pas? On peut pas, y a des lapins. Y a des lapins. Ok. Bon, faudra passer le loup. S'il est toujours là. Et surtout, je voudrais aller voir le cadavre qui est sur la gauche. Il y a un passage là. Donc ouais, un peu déçu pour le moment. Il n'y a pas les traders, là ils appellent ça. Apparemment les trucs d'échange, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de petites histoires pour le moment. Il y aurait pas le thermos, il n'y a pas la cuisine. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre? Enfin, la liste est... J'ai envie de dire, la liste est beaucoup, est assez grande pour ce qu'il n'y a pas. Plutôt que pour les choses qu'il y a, vous voyez? Donc, honnêtement, c'est pas très fun.
de rush la nouvelle zone. Il y a même des gens qui disent que la nouvelle zone est sympa, mais... Ok. La nouvelle zone est sympa, mais... C'est un anglais qui parlait, donc il disait en interlopeur, en intrus. Ça vaut pas le coup d'aller la rusher, quoi. Ça vaut même pas vraiment le coup. Il est là-bas, ça va. On a le temps, dépêche. Ça vaut pas vraiment le coup de passer plus d'une heure à atteindre la nouvelle zone. Parce qu'apparemment, elle est loin. C'est quoi ça? C'est des brebis, des bêches, des bêtes? Ouais. Donc voilà, on va pas se brusquer. On va prendre notre temps. Et on attendra le temps de toute façon que le reste sorte. J'ai envie de dire, le reste de l'update sort. Donc ça sera dans quelques mois. Je crois 3 mois, je crois. On a le temps d'avancer. On a le temps de faire un arc, de faire des flèches, de s'équiper, tout, etc., etc. Donc voilà, ça sert à rien d'aller directement à la nouvelle zone. Bon, on le fera, mais je veux m'équiper d'abord. Je veux qu'on puisse chasser et tout. Parce que honnêtement, c'est chiant si on peut pas chasser. On doit toujours faire attention. Puis les loups, ils ont l'air d'être vachement vénères maintenant. J'ai envie de dire. Donc, passer mon temps à esquiver les loups, c'est pas trop mon truc. C'est pas fun, en fait. La chasse, c'est fun. Moi, j'aime bien la chasse. On va crafter le truc. Moi, j'aime bien la chasse. Genre, même les lapins, je les chasse à l'arc et aux flèches, moi. J'adore faire ça. Mais sinon... 9 minutes, hein, mon putain. Il manquait que 9 minutes. Voilà. Alors, hop. Alors, maintenant, on peut garder l'écharpe ou on peut mettre ça. Alors, le mieux, c'est de mettre ça parce que c'est 2 degrés. Mais j'avoue que c'est quand même plus stylé avec l'écharpe. Mais bon. On va mettre ça. J'ai l'impression que... Attends, mais si on enlève... 12, là, on a quoi? 14. Ils mettent pas les virgules, en fait. C'est très bizarre. J'ai l'impression que c'est compté différemment ou c'est moi qui... Ouais, ça c'est la couche extérieure sur le côté gauche. Parce que la chapka, on peut que la mettre à gauche. C'est moi qui... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est compté différemment. Les bonus. J'ai l'impression qu'on a moins de bonus qu'avant. Ou alors c'est peut-être parce que je suis habitué à avoir des trucs de haut niveau. J'en sais rien, je sais pas, je trouve ça étrange. Et je voudrais du fil... Très bien. Voilà. Donc maintenant, on a ça, ça, ça. Ça, on peut les virer. On les détruira. On a la chapka qui est très bien. Le temps qu'on revienne, là, les autres trucs seront séchés. On a du fil. Normalement, on a 2 fils. On a des hameçons. Donc c'est très bien. Arrête de m'afficher pied sûr, là, tout le temps. Là. Ça me rend fou. Donc on va rentrer, ce sera la fin de notre épisode. Et ouais, ce sera la fin de notre épisode. Donc il y a une boîte et il faut une clé. Donc la clé, j'imagine qu'elle peut être n'importe où. Je suis en train de me demander, genre, il y a les pare-soleil, là, qu'on n'a pas fouillé. Vous croyez que la clé, elle peut être là? Ça m'étonnerait, quand même.
En tout cas, où est-ce qu'on a vu le... qu'on a trouvé la... le petit mémo, il n'y avait pas de clé. En tout cas. Donc bon. Ah, je refais le plein de bois en même temps. Ouais. On rentre à la maison. On va coudre un peu. Après il fait encore jour donc on va pas dormir. On va coudre un peu parce qu'il fait jour. Du coup voilà, on en profite. Et je fais avancer le cerf comme ça si jamais il se fait attaquer par un loup, on pourra aller récupérer la peau et tout. Ça m'étonnerait que ça se produise, mais... ça serait bien. Et après, on jette une pierre au loup. Ou pas. Mais ouais. Et je pense que le prochain épisode... Je vais quand même passer quelques jours ici à Milton. Comme j'ai dit, histoire de faire mon équipement, l'équipement que je veux, et récupérer un peu de vie aussi. Donc il faut que je mange un peu plus. Et puis ça sera tout. Et puis après je reprendrai l'aventure et on partira de Milton. Je pense que je vais faire ça. De toute façon là, il n'y a plus de zone vraiment à explorer. Enfin... sans des zones chiantes, je parle. Genre Hamilton, là, on a fait ce qui était plat. On a passé par la grotte. On a fait l'église derrière. On a fait l'atelier là-bas. L'atelier en bas avec la ferme. On a fait toutes les maisons de Milton. Après, en fait, les autres zones à fouiller, il faut prendre des cordes. Et ça, c'est un peu chiant. Donc du coup, j'ai pas envie de m'embarquer à prendre des cordes. Ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup. Vous avez vu toute la viande qu'on a? Ça, c'est tous les lapins qu'on a récupérés. Ok, cool. Juste... j'ai un peu... ah, très bien. Donc, on a une peau de loup. On va la laisser. Elle séchera. On a des bois. Ah, vous voyez, on a même des bouleaux séchés, en fait. Ça, je peux en faire des fûts de flèche avec mon couteau. Donc ouais. Je peux même faire un arc en fait. Je peux déjà faire un arc. J'ai pas les embouts, mais je peux déjà faire un arc. Peut-être ce serait plus léger de prendre de faire l'arc. L'arc c'est quoi? C'est 0,50, je crois. Un boyau c'est quoi? 0,10? Ah, c'est du pareil au même, je crois. Mais on peut déjà aller crafter. On peut déjà aller crafter. Un arc et des flèches. Enfin, des fûts de flèches. Exactement, des fûts de flèches. On peut faire ça. Pourquoi on a une musique inquiétante à l'intérieur? Pas besoin de me traumatiser avec des musiques inquiétantes. Ah, ça y est, on a des peaux de lapin séchées en plus. Il faut juste attendre les boyaux. Les boyaux, c'est un peu long. En plus, on a une belle tempête.
Je vais prendre le sac de couchage sur moi, comme ça je l'oublierai pas, même si on sort tout simplement. Après, un truc que je voudrais faire aussi, c'est potentiellement faire de la lecture. Attendez, la lecture c'est où? C'est là. Donc on a... Alors le tir, on s'en fout. Dépecer vos proies, ça peut être intéressant. Ça c'est quoi? C'est de la cuisine? Ça c'est la cuisine. Ça peut être intéressant aussi de le lire. C'est combien d'heures? C'est 5 heures. 5 heures, ça fait beaucoup. Mais on pourrait lire ça. On pourrait lire ça. Ah, on a deux pierres à aiguiser. Ah oui, c'est vrai, on a deux pierres à aiguiser, j'avais oublié. On va aiguiser le couteau et tout ça. Vous voyez, donc on a des choses à faire, mais tout ça, en fait, ça prend des heures en jeu, voire des jours, en fait, le temps de tout faire. Et ça se traduit par... Oh putain, on a tout ça aussi, c'est vrai. Ça se traduit par pas mal d'heures de jeu, je vais être honnête. Pas mal d'heures de jeu, donc c'est pas vraiment le plus excitant. Donc c'est pour ça que je veux zapper un peu. Puis pour moi aussi c'est plus sympa. Parce que quand je fais des trucs comme ça qui sont redondants et tout, vous voulez que je parle de quoi? C'est pas intéressant. Donc bon. Moi je tourne en rond. Moi il faut de l'aventure un peu, il faut du truc. Parce que combler pour combler, c'est pas vraiment fun. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, je vais commencer aussi à manger pas mal de trucs. Pour garder de... Pour augmenter ma vie. Ok, très bien. Alors j'avais dit qu'avant qu'on se quitte, on regarde pour coudre des choses. Alors les bots, c'est un peu de la merde, j'ai envie de dire. C'est 1h30 en plus. Ces bots-là, c'est un peu de la merde. Mais pour le moment, on n'a pas grand-chose. Ça m'embête un peu d'utiliser du cuir. Je sais que du cuir, j'en ai... 3 maintenant, parce que j'en ai utilisé... non, j'ai coupé des gants... Non, des chaussures. J'ai coupé les chaussures, donc on peut à la limite le faire. Et puis... en plus, elles sont lourdes. Après, tout est plutôt bon, hein, en pourcentage. Tout est plutôt bon. Ouais, il n'y a que les bottes. Ça aussi, à la limite... Aïe 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 aïe. Voilà. Fabriquer. Je garde toujours le fil d'un côté et les hameçons de l'autre. Et je crée les choses si j'en ai besoin. Maintenant on est... Oh, ça m'a tué mon cuir en plus. Sans déconner, ça m'a tué mon cuir. Ça, je savais pas par contre. Ouais, non, bah alors non, on le fait pas. Putain, mais ça m'a vraiment tué mon cuir. Non, on va pas le faire alors. Bah, ouais, bah j'ai intérêt qu'elle casse pas, quoi. Oh la blague, ça m'a tué mon cuir, quoi. Alors là. Ah ouais, dès qu'on a plus le kit, ça dure longtemps. Okay, très bien. Les moufles, on va pas les faire parce qu'on va faire les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu gémis et tu souffles là comme ça là? Oh, bah pas Cassandra, tu vas te calmer hein. Non mais. Alors, très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai presque nuit. Je sais pas trop quoi faire pour durer un peu en fait.
Qu'est-ce qu'on peut faire la nuit en fait, à part réparer les vêtements? Là c'est bon, on est bon. Ah, ça m'embête ces chaussures, parce que c'est vrai qu'elles sont vraiment dans un sale état. Mais il nous faudrait d'autres chaussures. Ah, on peut aiguiser ça. Combien? 17 minutes? Non. Tu as de l'aiguiser 17 minutes, ah oui. Oh la vache. Putain. C'est pas un peu abusé? Ça a toujours été aussi long? C'était moins long avant. C'est que 3%. Ah, ça y est, ça a augmenté. Compétence déguisée a augmenté à 34. On pourrait lire. Aussi pour lire, il faut avoir mangé. Il faut avoir des calories dans l'estomac. Ça, c'est un peu la merde. C'est pour ça que, en fait, on lit pas en intrus. Je vais être honnête, on lit jamais en intrus. Mais bon. Là, si ça peut aider. On a dépecé vos proies. Ou la cuisine. Je veux bien augmenter la cuisine, vite, moi. 10 points. Okay, tired. Ok, très bien. Je peux finir le livre ou pas? Normalement, on peut finir le livre. C'est peut-être parce qu'elle vient juste de commencer. Donc, on est entre les deux. Elle est classe, hein. Classe, là, le robot. Hein. Le robot, c'est classe. Je ne suis pas sûr que je peux beaucoup plus. De la nourriture. Peut-être un peu pris trop de nourriture sur moi. J'ai pris un peu trop de nourriture sur moi. Enfin, quoique, si on veut... Ça va. Excusez-moi, je fais un peu des allers-retours là. Mais... Ok, on va se mettre devant le lit. Je finirai le livre demain. Après avoir dormi. Alors, hop. Hop là. Voilà, ça fait beaucoup de nourriture, mais comme ça on va pouvoir se soigner. Allez, ça sera tout pour cet épisode, merci beaucoup d'avoir regardé. Donc on a fait la chapka, moi je vais continuer de mon côté, je vais faire les moufles et tout ça, parce que ça va être que de la farm et passer des jours pour le temps que ça sèche et tout ça. Donc ça va prendre du temps et tout, c'est pas vraiment intéressant. Et je reprendrai, et normalement c'est quand on reprendra, on partira de 1000 tonnes. Tout simplement. On partira de 1000 tonnes et on ira vers le... Putain, tous ces bruits. On ira vers... le lac mystère. Le lac mystère, ça va être très cool. Et ça ira bien. Et au lac mystère, on se préparera pour... Ah oui, on fera aussi le,
Au lac Mystère, il y a le barrage, j'avais oublié, il y a le barrage et tout à faire. Et tout ça, on le fera... après, on fera la forge. On ira crafter nos têtes de flèches et tout ça. À la prochaine, ciao !